the bass. Yo yo yo, c'est Banana et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc ce sera plus, je pense que ce sera un bon, déjà j'ai introduit le gameplay. Donc c'est une domination hardcore sur Freefall avec la Aimtar et à la cassette. Donc j'ai switché presque à chaque kill. Après j'essaie de faire 2-3 feats comme ça, enfin en hardcore, un truc différent. Donc voilà, je crois que j'ai presque à quoi le feat dès le début. Bon, bah, bref, on s'en fout. Sur Freefall en demi hardcore, donc comme je dis, à la Aimtar et à la cassette silencieuse. Donc j'aime le volume à classe. Écoutez, essayez de la trouver parce que j'ai la flemme de mettre en screenshot et tout, donc au final on s'en fout un peu. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu de qu'est-ce qui se passe sur ma chaîne, qu'est-ce que je ferai, pourquoi j'ai quitté les NK, parce que plein de choses, tout ça, parce que ces temps je me fais beaucoup, je vais pas vous mentir, je me fais également insulter par certaines personnes, ça commence un peu à me saouler, donc j'ai envie de mettre un peu les choses au clair. Je sais pas moi, les gens qui ont commencé à m'insulter, qui comprennent que voilà, enfin que ça sert à rien de m'insulter et qu'il y a des raisons un peu à tout ça, et qu'au final c'est pas moi l'enculé, enfin il n'y a pas d'enculé dans les histoires, etc. Tout le monde est sympa et tout. Bref, on va commencer donc tout de suite le sujet principal. Pourquoi j'ai quitté la INK? Désolé, j'ai reçu un message, on va quitter, voilà. Pourquoi j'ai quitté la INK? Parce que oui, je l'ai quitté, je suis allé dans la Abside Nvidia, donc le plantage c'est 4, en gros, IV. Bref, pourquoi j'ai quitté la Abside Nvidia, quitté la INK, excusez-moi. C'est parce que, à la base, c'était une team knifing, on est d'accord, enfin, c'est toujours une team knifing, justement. Et ils font, pour moi, il y a trop de knifing, pour moi, bah c'est normal d'avoir une team comme ça, mais on peut pas faire grand chose d'autre, enfin, je trouve personnellement, après voilà, c'est peut-être des avis différents, on va dire les autres choses, mais je trouve qu'on est trop bloqué sur le knifing, on essaie de proposer autre chose, ça, on se fait un peu limite, je sais pas, je me suis fait un peu gulli, enfin, bref, dire les choses, enfin, bref, on s'en fout, c'est un peu trop fermé, voilà, le jeu, il propose plein de choses, et je trouve que rester sur le knifing, bien entendu, j'adore ça, hein, toujours, je vais pas quitter, je vais toujours en faire de temps en temps, mais se bloquer sur une chose, je trouve ça un peu dommage, comme les gens qui jouent au sniper, je trouve ça aussi un peu dommage, même si ça écoute pas mieux, mais le jeu il propose plein de choses, donc autant les utiliser, toutes les utiliser. Donc bah, j'arrête de regarder la vidéo parce que je suis en train de me mélanger les pinceaux. Donc je disais, je suis perdu, wesh, oh là là, la misère, c'est quoi ce commentaire évident que je suis en train de faire, non. Voilà, bref, la INK, je trouve c'est une bonne team, franchement. J'ai débuté dans le knifing et je tombe direct dans le haut niveau du knife, donc dans la INK. Je trouve ça un peu dommage pour moi parce que, enfin, bah, c'est bien, tant mieux. C'est dire que, attends, là il y a une petite feed qui va arriver là, sauf qu'il y a une 5 OS. Ah, je vais juste la laisser, regardez. Un kill, là je fais les deux autres, voilà. Hop. Eh, joli, il y a 5 OS d'ailleurs. Bref, j'ai quitté la INK, voilà pourquoi. Parce que, bah, pour les raisons que j'ai dit. Putain, je sais plus où j'en étais, c'est le matin, je fais ça un peu le matin, j'aurais peut-être pas dû, c'est 7h actuellement. Ce que j'étais en train de dire. Oui voilà, j'ai débuté dans le knifing, il y en a plein qui aimeraient être dans la INK, etc. Et ils peuvent pas parce que je sais pas, ils ont peut-être qu'ils connaissent pas les bonnes personnes, etc. Ils ont peut-être pas éventuellement le niveau, peut-être j'ai pas la merde, peut-être que j'ai le niveau aussi, mais je me suis fait beaucoup critiquer à propos de mon niveau. Je trouve ça dommage, bah voilà, je débutais là-dedans, je peux comprendre que ça agace certains qui veulent tous tomber dans la INK et moi je débarque comme ça et je. Voilà, j'arrive dans cette team. Donc j'ai décidé de quitter parce qu'en même temps aussi il y a trop de nouveaux qui arrivaient chaque semaine, chaque jour limite. Il y avait un nouveau quelqu'un qui arrivait dans la conf de plan sur Skype. Et moi je trouvais que c'était un peu compliqué. Il y a plein de gens que je connaissais pas et ça a trop changé depuis que je suis arrivé au tout début. Enfin voilà, je critique personne, hein, c'est leur façon de faire. Voilà, tant mieux. Moi ça me convenait plus. Donc j'ai quitté et aussi car en même temps j'estimais pas avoir ma place dans cette team. Et je préfère laisser la place à quelqu'un qui le mérite vraiment. Donc entre temps il y a je sais plus. Qui s'était rentré, je sais plus exactement le nom, mais lui par exemple il mérite clairement d'être rentré. Voilà, j'ai rencontré des gens super dans cette team. Je vais faire des petits bonjours. J'ai mon petit papier là. J'ai Trackdown, j'ai Pride, j'ai Obno, j'ai Cartel, j'ai Masca. Il y a Tessie aussi qu'on s'est bien entendu. J'ai aussi un gros big up à Mex qui a fait mon introduction, qui a fait vraiment du gros travail. En plus, c'est un gars vraiment cool, donc n'hésitez pas à aller le suivre. Je vais mettre la chaîne dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc voilà, tous ces gens, j'ai passé des super moments avec eux, même avec des autres que j'ai peut-être oublié, et aussi 16 avec qui on s'est un peu embrouillé, mais au final ça allait bien, donc on s'est un peu reparlé, donc ça joue. 16 c'est aussi un gars cool, il est juste il est jeune, donc il découvre pas mal de choses, mais franchement il est cool aussi. Voilà, il est vraiment vraiment bon d'ailleurs, hein, il a des réflexes de ouf. Bref, j'arrête tout ça. Big up à vous là, ce que j'ai dit, j'espère que vous l'avez pas pris trop mal que j'ai quitté, je pense que certains ça les a même arrangé.
quoi qu'il en soit, voilà, c'est pas le sujet principal. Voilà, j'ai quitté parce que j'estimais pas avoir ma place, je laissais la place à quelqu'un d'autre et j'avais pas envie de. Je me suis un peu lassé du naïf en fait. J'aime ça, hein, je vais pas arrêter parce que j'en fais toujours de temps en temps, mais j'ai pas envie de faire que ça, voilà, j'ai envie de faire d'autres choses. Et donc voilà, donc j'ai rejoint la Obsidian Lydia qui est une team de tout en gros. Ils font exactement ce que j'ai envie de faire, du couteau, du knife, c'est la même chose, du sniper, de l'arme, des pistolets, enfin ils font vraiment de tout. Donc comme ça je pourrais vraiment faire ce que j'ai envie, il m'a même dit que voilà, tu fais ce que tu veux, tranquille, y a pas de soucis. Les standards ils sont un peu plus élevés, sincèrement ils sont... C'est une petite team, ok, bah je la mettrai aussi la chaîne en description, n'hésitez pas à aller la suivre parce qu'ils font vraiment du bon taf, c'est du tout sur le rock, c'est vraiment cool. Les standards ils sont vraiment élevés par exemple, pour les petits team tâches de chaque semaine qu'on fait, c'est des montages en gros leftover, un peu pas team, enfin bref, des clips qui sont bons mais pas assez utilisables pour les gros montages qu'on prépare. C'est quoi, c'est je sais plus exactement les trucs, mais il y a des 4, des 5 OS, il y a même des 6 OS dans ce petit montage. Et pour les gros montages, là pour l'instant il y a que 4 ou 5 clips, c'est vraiment, vraiment franchement, je vais pas vous mentir, c'est vraiment des gros standards, j'aurais pas pensé qu'un jour ce serait comme ça. Mais écoute, ça met un peu de challenge, comme moi pour ce gros montage. C'est une 6 OS only swap, donc avec l'arme, c'est vraiment vraiment chaud pour moi je trouve, mais je vais m'améliorer et puis je pense qu'on peut y arriver. Il y a pas beaucoup de clips pour l'instant dans le dossier de Roblox de ce gros tintage. Donc n'hésitez pas à aller les suivre. Voilà, donc je pense pas que je vais quitter cette team parce que moi je suis bien là pour l'instant, mais écoutez, je fais ce que je veux, ils me saoulent pas trop, je peux améliorer en plus mon anglais parce que certains ils sont anglais, d'autres français. Voilà, franchement c'est cool, j'ai mon introduction qu'on est en train de le faire, je sais pas, peut-être que ça va avancer, j'ai 3 clips déjà. C'est Genelli qui va m'éditer. C'est génial. Voilà. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire, donc voilà, j'aurai mon introduction qui arrive dans pas longtemps. Et je vais vous passer maintenant à propos de ce que je vais faire plus tard sur ma chaîne. Donc, je vais reprendre les Ninja Diffuse, les trolls et toutes ces choses parce que j'ai bien parlé avec le leader. Il m'a même dit que voilà, il n'y a pas de soucis, j'ai besoin de sortir des clips tous les jours, carrément, toutes les semaines. Voilà, c'est tranquille. Donc, parce qu'on est quand même beaucoup là-dedans, donc il y a toujours du contenu. Parce que j'ai bien dit que j'avais une chaîne à la base de Ninja Diffuse et tout ce qui touche à ça. Donc j'avais envie de reprendre ça parce que beaucoup m'ont demandé. Au final c'est vrai que j'adorais faire ça, le montage du studio et tout ça, c'était vraiment kiffant. Donc je vais juste vous passer maintenant le début de mon prochain gros montage, histoire de vous mettre un petit peu l'eau à la bouche, le goût à la bouche, comme on dit l'expression, mais juste pour vous donner une petite idée de ce qui va arriver, le prochain gros montage de Diffuse qui est en train de se faire. Donc je vous le passe maintenant, let's go. And the shirt I got from Target, talking to some pretty ladies, said their blouses from the forest. I said great, I don't make clothes, but I can probably make those unravel simple stitches when I cut my fucking beard. Snow ceilings outside, old buildings looking like an indie. Ouais, donc voilà, ce petit montage, j'espère que ça vous a plu. Donc il y a 2-3 modifications à faire, je vais pas vous mentir, c'est que le début, le premier clip, j'ai encore 7 une Ninja Diffuse à mettre, je vais en refaire encore quelques-uns. Bref, j'ai envie de faire un gros truc avec le mode studio, parce qu'il y a vraiment moyen, mais ils sont assez... Vraiment, j'ai envie de travailler là-dessus, donc ça va mettre un peu de temps avant d'arriver, mais je pense que vous aurez de la qualité après. Donc voilà, je vais reprendre les Ninja Diffuse, les trolls et tout ça. Je vais éventuellement reprendre des zappings, enfin des zappings, comment on appelle ça, des condensés, parce que je sais que vous avez adoré, mais ça demande beaucoup, 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 beaucoup de temps, les condensés. Parce que il faut déjà faire la jouer à 40 minutes, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe durant ces 40 minutes, sinon tu dois recommencer. 40, 45 minutes, 1 heure, c'était bon. Et après, quand tu fais le montage sur Vegas, tu dois tout regarder, couper ce qui est chiant, ce qui est pas chiant. Donc en gros, ça me prend presque une, deux journées faciles de faire ce montage. C'est vraiment long, je trouve. Voilà, mais j'aime bien faire ça. Je sais que surtout que vous adorez ça, donc je vais peut-être en refaire. Enfin, je vais sûrement refaire. Je vais peut-être en tourner après. Bref, voilà. Donc, je vais reprendre les Ninja Diffuse, je vais reprendre les condensés. Et effectivement, je vais aussi refaire des petits montages comme j'ai fait le Variety 1. Il y a Variety 2 que je vais faire aussi. D'être édité par quelqu'un, je sais pas, on verra. Voilà, je vais faire un peu de tout ça. Je vais continuer à faire ce qui me plaît. Et donc voilà, ça c'est, j'ai fini ce sujet. Je vais aller à la petite feuille. Ouais, voilà, aussi le montage que j'avais posté sur ma chaîne, le dernier là. Je sais plus exactement ce que c'était parce que le nom, j'ai un peu perdu, je l'ai pas laissé longtemps. Je l'ai supprimé ce montage pour ceux qui l'ont vu. Parce que
juste taper déjà 7-8 dislikes dès le début, ça m'a un peu saoulé. Je peux comprendre les dislikes, franchement, j'ai compris, c'est pour ça que je l'ai supprimé d'ailleurs. Il y avait 2-3 clips qui méritaient pas d'être là, c'était juste comme ça, c'était juste pour vous poster du contenu. Et j'aurais peut-être pas dû faire ça, j'aurais peut-être dû attendre, parce que juste poster du contenu, passer le temps. Excusez-moi, j'ai bloqué. J'ai pas vraiment le temps de jouer. J'ai fait plein de trucs avec ma copine, d'ailleurs j'ai une vidéo qui arrive avec ma copine qu'on a fait. On a bouffé des bonbons dégueulasses là, Jelly Belly, Harry Potter. On m'a demandé de faire ça, de finir, alors moi j'ai fait, puis on verra ce que ça va donner. Je suis en train de faire le montage. Il y a 2-3 trucs qui étaient pas mal qui sont passés en plein milieu, j'ai pété mon verre, etc. En bref. Il y a 2-3 trucs franchement sympas, là vous verrez ça sur ma chaîne. Je vais essayer de me diversifier un maximum tout en restant dans l'optique du fun comme je faisais dès le début. Car je me suis suicidé, tiens bien là l'équipe. Tout en restant dans l'optique du fun. Et donc voilà, écoutez, j'espère que voilà, c'est ce que j'avais à dire. J'espère que ça je vous ai un peu éclairci sur pourquoi j'ai quitté la INK. Qu'est-ce que je vais faire maintenant, etc. Parce que j'en ai un peu marre de me faire insulter pour rien. Ces temps ça commence un peu à me faire insulter par tout le monde. Enfin, tout le monde, ça reste une petite minorité, mais au final, il y a plein de gens qui m'insultent et puis ça commence à me saouler. J'ai rien contre qu'ils donnent leur avis, etc., qu'ils expliquent, comme il y en a un, deux qui ont dit dans les commentaires d'ailleurs, qui ont expliqué pourquoi ils aiment pas. Putain, j'ai peut-être une quad là. Ah, il était bloqué, dommage. Bref, ils ont expliqué dans les commentaires pourquoi ils n'avaient pas aimé ce montage. J'ai compris, j'ai répondu, on en a parlé sur Twitter avec certains ou sur Skype. Et au final, c'est vrai que je me suis rendu compte que c'était. Ouais, je vais pas vous mentir, c'était un peu de la merde carrément. Donc je l'ai supprimé, je m'en suis rendu compte de mon erreur, je suis désolé d'avoir replayé ça. Mais il y avait juste la musique que j'avais un coup de cœur là-dessus, je voulais absolument l'utiliser. Mais après, je me suis tapé un copyright, donc j'ai dû l'avoir replayé, au final, bah, ça a plus donné ce que je voulais, je suis un peu déçu. Mais les clips étaient pas là, le montage était un peu à l'arrache, j'étais juste posé à la suite. Mais c'était juste histoire de vous proposer quelque chose, ça partait d'une bonne intention, parce que ces temps, j'ai vraiment pas le temps de faire grand-chose, comme je vous ai dit. Mais je vais essayer de vous reprendre des trucs là, parce que c'est vrai que. C'est pas très correct parce que j'ai bientôt 7500 abonnés. Alors merci à tous parce que c'est vraiment un truc de ouf fou là quand j'ai commencé ma chaîne YouTube. J'aurais jamais pensé avoir un jour 7500. Je voulais avoir les 10 000 à la fin d'Advanced Warfare mais je sais pas, on verra si je repasserai un jour sur la PCC ou code QG, ça pourrait peut-être m'aider. Donc voilà. Sinon lundi qui vient, donc le... Attendez, j'ai regardé ce calendrier. Lundi 11 au soir, ça fera à 19h ou à 20h, je sais plus, je crois que c'est 19h. On fait un live sur code QG avec Tizo, Flapix et la solution Jackie. Donc n'hésitez pas à aller voir sur Gaming Live, je pense pas que je pourrais vous mettre le lien en description parce que je le connais pas. Si je l'ai trouvé, bah, je vous le mettrai, bah, sinon c'est le lundi à 19h. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, on va faire le secret d'infection A4 avec Tizo, Flapix, la solution Jacking comme je l'ai dit. Donc voilà, c'est un petit gameplay sympa qui se termine avec une vidéo, bah, un commentaire qui se termine aussi, hein, sans blague. J'ai fini sur un 97 à 43. 97 à 43 en français, c'est ça? Oui, c'est juste. Parce qu'en Suisse on dit 97. Bref, 97 à 43. Donc écoutez, je vous laisse. Big up à vous. Merci à tous de me suivre en tout cas. Et merci à ceux qui me soutiennent. Allez, peace. Bye.